il y a des chemises. Voilà, ça dépend, il y a des gens qui restent jusqu'au bout, jusqu'à la dernière olive. Voilà, ils ramassent jusqu'à la dernière olive. Alors évidemment, la première récolte est la meilleure, hein. Après ça commence à se détériorer. C'est pour ça qu'ils ont commencé à tailler plus bas. Qui aimerait conduire? Non, c'est pas sens unique. Non. C'est sens unique seulement pour nous. Pas pour les voitures. Alors quand on en rencontre, quand ils sont d'ici, ça va. Mais quand ils sont étrangers et qu'ils ont une voiture de location, et vous allez avoir l'occasion de voir aussi la ville de Corfou devant vous. Devant vous. Devant vous, complètement au fond. À votre droite, donc, maintenant. On va la voir de plus haut encore. Le village que nous allons traverser s'appelle Lakones et ça vient du mot Laconie, c'est-à-dire les habitants de la Laconie. La Laconie, c'est là où se trouve la ville de Sparte, en Péloponnèse. Donc les habitants de ce village disent que leurs ancêtres sont des gens qui sont venus de là-bas, de la Laconie. Ils avaient fui la domination turco-ottomane au XVe siècle et ils se sont réfugiés dans des endroits en Grèce qui n'étaient pas dominés par les Turcs-ottomans, comme ici, Corfou. Alors au début, ils étaient francs et c'est une des meilleures qualités du monde. Mais ça ne coûte pas cher ici par rapport à d'autres endroits du monde. Alors, le magasin avec le bois, c'est celui qui se trouve à votre gauche. Regardez, là où il y a les paniers. Voyez. Et le magasin où il y a plein de choses, et pour les collectionneurs, c'est quelque chose de magnifique, c'est là à votre droite. Ok, dans le 87. Voilà. Et on est là. On fait ce qu'on veut. Si vous voulez venir goûter.
Thank you.